Comment reconnaître un prédateur, un homme qui n'a qu'un seul intérêt, c'est de vous mettre dans son lit et de ne surtout pas vous permettre de vous épanouir? Comment reconnaître un homme qui n'a pas de bonnes intentions, qui ne cherche pas à vous faire plaisir, qui ne cherche pas à vous rendre heureuse? Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que tous ces prédateurs, tous ces hommes toxiques ne vont jamais venir en vous disant Hey, salut, je suis toxique, est-ce que tu veux être en couple avec moi? C'est même l'inverse, ils vont arriver. Ils vont être gentlemen, ils vont être positifs, souriants, ils vont être parfaits, l'homme idéal. Et puis au fur et à mesure que la relation va évoluer, ou la séduction, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, vous allez voir des facettes de son visage qui vont commencer à vous alerter. Mais vous allez vous dire, oui, mais de toute façon, c'est normal. Et puis quand je me souviens comment il était, c'est un mec bien. Donc le prédateur, il a cette capacité à passer pour un mec bien, à passer pour quelqu'un qui a des valeurs. Alors qu'il ne cherche qu'une seule chose, son propre intérêt. Si vous regardez cette vidéo, mesdames, c'est pour connaître quels sont les conseils et astuces qui vont vous permettre de casser cette dynamique. De ne pas forcément donner de l'attention, donner de la valeur, donner des explications ou voire même trouver des excuses à ces hommes prédateurs. Mais au contraire, comment réussir à pouvoir vous en protéger? Juste avant de vous donner mes conseils, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Comment reconnaître un prédateur? Le point numéro un, comme je l'ai dit, c'est une personne qui va toujours avoir le côté gendre idéal. C'est-à-dire qu'il va être apprécié de tout le monde. C'est quelqu'un au début qui va se montrer très attentionné, très attentif, qui va être là pour vous faire croire qu'il a de bonnes intentions. Le premier point qui est important à comprendre, c'est que notre cerveau, il a du mal à rester cohérent ou rester plutôt rationnel quand il reçoit beaucoup d'informations. Ça signifie quoi Un homme qui va être un prédateur va très très rapidement essayer de vous envoyer plein d'informations. Il va vous parler de mariage, d'enfants, de voyages, de projets communs. Il va vous présenter peut-être même à sa famille et ses amis en disant que tout le monde va vous dire mais c'est dingue, il n'a jamais présenté personne parce qu'il va sentir qu'il a du répondant de votre côté. Si vous regardez mes vidéos, c'est qu'il y a du répondant, vous êtes au courant de ce qui se passe. Donc grosso modo, pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir prendre un contrôle sur vous, le prédateur, il a besoin de vous envoyer plein d'informations que votre cerveau aura du mal à traiter. Et donc, qu'est-ce qui se passe Vous êtes submergé. Et quand on est submergé, on n'est plus capable d'observer les petits points de détail qui sont négatifs. En gros, on laisse couler parce qu'on est trop submergé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation par l'information. C'est-à-dire, il y a tellement d'éléments qui arrivent dans votre cerveau qu'il n'a plus le temps de les traiter. Et donc, vous êtes submergé d'informations. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, bah, écoute, je vais pas bien, donc j'ai besoin de me recentrer sur lui. J'ai besoin que ça devienne mon pilier, et c'est là où cet homme va commencer à avoir le contrôle sur la situation. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes en rendez-vous avec un homme, ça se passe très bien. Vous avez l'impression de vous connaître depuis dix ans. Il va vous envoyer cette information. Il va vous dire que c'est un truc de dingue la connexion que vous avez, qui ressent ça pour la première fois, qui commence à recroire en l'amour après avoir été abusé, euh, trompé ou x ou y. Donc là, il y a de l'empathie qui va naître. Donc ça, c'est le deuxième procédé de manipulation. C'est le fait de vous sentir toujours, euh, comment dire, très euh, triste ou euh, en empathie pour lui. Donc, comme vous allez vous sentir triste ou en empathie, eh bien, vous allez le prendre en pitié. Ce qui va faire que cet homme va pouvoir plus vite s'engouffrer dans la brèche. Donc, le premier point, c'est le maximum d'informations. Donc, vous êtes en face de cet homme qui vous dit plein de choses. Vous vous dites pas bah, « c'est trop beau pour être vrai ». Et puis au deuxième rendez-vous, ça continue. Et puis au troisième rendez-vous, c'est le cas. Et au quatrième rendez-vous, là, il vous emmène dans un endroit exceptionnel. Donc vous êtes en train de vous dire Bah non, mais il faut que j'arrête d'être sur la défensive. Puis vous avez toutes vos copines qui vous disent Mais tu vois pas que c'est le bon. Donc là, forcément, qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous mettre dans cette dynamique de vous dire C'est le bon. Et donc vous allez à ce moment-là vous lâcher complètement. Donc le premier point, c'est la manipulation par l'information. Le deuxième point, c'est la manipulation où cet homme va rechercher à ce que vous lui donniez de l'empathie à ce que vous ayez de la pitié pour lui, ce qui fait que vous allez naturellement laisser passer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Si on voit quelqu'un qui souffre et qui, euh, je ne sais pas, ne mange pas forcément très sainement, on va se dire bon bah c'est pas grave, c'est une passade. Eh bien là c'est la même chose. Si on voit un homme qui souffre ou qui a souffert et que du coup à un moment donné bah, il est peut-être moins attentif, moins attentionné. Vous allez lui laisser passer cette situation. S'il a un excès de colère, vous allez dire, bah, c'est normal, il va pas bien en ce moment. Alors que lui, il est juste en train de grappiller justement de la présence dans votre inconscient et dans votre cerveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument éviter. Le troisième point, quand on parle de prédateur, le prédateur, il calcule tout. Ça veut dire qu'il sait où est-ce qu'il va vous amener en rendez-vous. Il sait comment ça va se passer. Tout est parfait. C'est un homme qui est vraiment, qui va porter du soin aux détails. Ce qui fait que vous allez vous dire, mais attends, cet homme-là, il est exceptionnel. Il a pensé à tout. Et il a tellement pensé à tout qu'en fait, il n'a pas forcément des bonnes intentions. Alors comment est-ce qu'on pourrait savoir si c'est un prédateur ou pas et comment s'en protéger dans ces cas-là Si c'est un homme qui pense à tout au niveau du détail, vous devez le déstabiliser. Par exemple, vous devez lui proposer un autre type de rendez-vous. Il veut vous voir pour aller au ciné. On va proposer un resto, un resto que vous aurez choisi. Ou alors, vous allez demander un resto, et s'il vous propose un resto, vous dites ah pas celui-ci, je préfère un autre type de cuisine. L'idée, c'est de challenger pour voir justement comment il réagit par rapport à ça, quel type de rendez-vous il va pouvoir vous proposer, de sorte à ce que tout ne soit pas entre guillemets parfait. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Donc, mesdames, en fait, aujourd'hui, pour se protéger des prédateurs, vous l'avez compris, ce sont des personnes qui vont venir vous apporter beaucoup d'informations, qui vont vous prendre en pitié, c'est-à-dire que euh, ils vont vous allez plutôt le prendre en pitié lui. Et puis, dans un dernier temps, c'est un homme qui a pensé à tous les détails. Il y a toujours tout est parfait chez lui. À savoir que quand tout est parfait, c'est que c'est calculé. Quand c'est calculé, c'est-à-dire qu'on a mis de la conscience dedans. Un bon rendez-vous, c'est parfois aussi avec de l'imprévu. C'est parfois un rendez-vous qu'on n'a pas forcément programmé, préparé. Et donc là. C'est là où je dis qu'il y a quand même cette volonté de pouvoir vraiment passer un bon moment et de se dire qu'on va lutter contre le comportement toxique d'un homme. Pourquoi je vous parle de prédateurs J'ai reçu un email d'une femme qui m'a dit Alex, écoute, c'est complètement dingue, je viens de rencontrer un homme, il a pris un mois et demi pour me faire la cour, on a couché ensemble, et depuis il me ghost, quoi. Donc en gros, il lui a complètement menti, il a joué un rôle, il a eu un deuxième visage, et même si elle a pris son temps, ça n'a pas fonctionné. Premièrement, mesdames, ça n'est pas de votre faute vous êtes tombé en face de quelqu'un qui vous a manipulé. Et moi-même, même si je connais toutes ces techniques dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, je vais subir des manipulations. Parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à donner notre confiance. On a tendance à vouloir faire en sorte que ça se passe bien. On a tendance à vouloir valoriser la personne qui est en face de nous. Donc d'une certaine façon, c'est normal, entre guillemets, de se faire manipuler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de notre faute. Donc ça, on va pouvoir le mettre de côté. Et puis le deuxième point... C'est qu'une personne qui manipule, c'est une personne qui n'a jamais eu de bonnes intentions. Donc, on ne perd rien au change. Restez connecté avec vos valeurs, restez connecté à votre personnalité, restez connecté à ce qui est important pour vous. Maintenant, si vous me dites, ouais Alex, mais j'aimerais bien les pouvoir aller plus loin, j'aimerais bien pouvoir comprendre comment moi, je vais pouvoir changer cette dynamique pour pas me retrouver face à un homme toxique. Eh bien, mesdames, sachez que je vous ai mis une vidéo dans la description qui est juste en dessous. C'est une nouvelle vidéo qui vous explique exactement comment challenger un homme. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour qu'il soit toujours à vous mettre sur un piédestal et à vous charmer et vous courir après Et grosso modo, quand il n'y a pas ces signaux-là, eh bien, vous savez que vous êtes en face d'un prédateur. Donc, mon objectif, c'est quoi C'est de vous aider à soigner les blessures, croire en vous et contrôler la situation. C'est pour ça que je vous dis si vous apprenez à challenger un homme dans la vidéo qui est juste en dessous dans la description. Alors, cette vidéo, elle n'est pas sur mon site internet, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle est uniquement pour la communauté. Mais à l'intérieur, vous avez toute cette compréhension de Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme et comment faire pour qu'il soit toujours dans une dynamique de chercher à vous plaire, chercher à vous séduire, chercher également à vous correspondre Mesdames, vous avez toutes les informations. Je vous laisse mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Rendez-vous également sur mon site, alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits. Justement, sur cette notion de protection des pervers narcissiques, des relations toxiques, des hommes qui viennent pour vous manipuler, vous pouvez réserver une séance de coaching privé, confidentielle, ça c'est pour vous booster, pour vous reconstruire. Vous pouvez prendre cette séance de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est ensemble au quotidien pour vraiment réussir à vous accompagner, réussir à vous donner le meilleur et réussir à vous montrer que tout est possible. Mesdames, c'est à vous de passer à l'action et c'est à vous de prendre votre vie sentimentale en main. Vous connaissez d'ailleurs les outils désormais pour contrer cette manipulation. On ne se laisse pas avoir par les mots, on prend notre temps, mais surtout, on va faire en sorte qu'il y ait des mots qui matchent les actions. Et on veut que cet homme, il apprenne à vous découvrir. Alors un petit exercice que j'ai donné dernièrement à mon coaching de groupe, à mes « côtiers entre guillemets, c'était de leur demander de noter deux questions sur vous. Et tant que l'homme, il n'a pas la réponse à ces questions, ce n'est pas le bon. Parce que ça va vous mettre dans une dynamique justement de pouvoir avoir le contrôle absolu. Donc vous devez découvrir deux questions, par exemple, quel est mon plat préféré euh, Quel est mon rêve le plus fou Quelle est la personne que j'aime le plus au monde Tant que cet homme n'a pas la réponse à cette question, on ne peut pas considérer que c'est l'homme de votre vie. Eh bien, ça va vous aider à avoir un détachement qui va rendre un homme complètement dingue. Le prédateur, il va se lasser parce qu'il va voir qu'il y a trop d'efforts à réaliser. Donc il verra que sa manipulation ne fonctionne pas. Et là, mesdames, je peux vous le dire vous avez accès au bonheur en amour. Je vous invite à regarder une prochaine vidéo qui va être juste là, là je vais vous mettre le lien. Donc cette vidéo elle est ultra puissante et elle est là pour vous accompagner. Donc c'est une vidéo que j'ai faite mais qui est liée à celle que je viens de réaliser. Restez sur cette chaîne YouTube et on se retrouve très vite. Ciao ciao mesdames